Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite présentation sur les cartouches dites non létales. Bien sûr, nous allons commencer par le fameux calibre 12-50 que beaucoup de personnes connaissent. Donc, ces calibres 12-50 vont principalement sur les pistolets GC-27, GC-27 Luxe et le fameux GC-54 avec ses doubles canons, donc double coup. Nous allons commencer par la cartouche de la marque SAPL, donc la cartouche orange, avec une bille de caoutchouc de calibre 68 pour une puissance d'environ 40 joules et une vitesse en sortie de canon d'environ 130 à 140 mètres par seconde. Nous continuons avec la cartouche verte chevrotine de la marque SAPL également, avec une puissance de 63 joules pour une vitesse de 176 mètres par seconde. Nous continuons avec la cartouche 12-50, la plus puissante qu'il existe, avec une puissance de 80 joules pour une vitesse d'environ 200 mètres seconde, bille caoutchouc calibre 68. Et nous continuons directement avec la cartouche 12-70, calibre 12-70. Donc ces cartouches-là vont uniquement sur des fusils de chasse et fusils à pompe. Pourquoi pas sur les fusils semi-automatiques? Car l'extraction ne pourra pas se faire dû au manque de puissance et au manque de poudre qui se trouve dans cette cartouche. Cependant, cette cartouche Gomcogne de la marque SAPL est la cartouche la plus puissante du monde au niveau de son calibre 12-70, avec une puissance d'environ 250 à 260 joules pour une vitesse de sortie de canon de 260 mètres par seconde. Ce qui fait de cette cartouche la plus puissante du marché au niveau des gomme-cognes. Après, je vous ai mis un exemple de cartouche flashball directement. Donc ça, c'est du calibre 44. C'est juste pour vous faire la comparaison. Voilà, donc on peut l'enlever pour faire la comparaison directement avec du calibre 12-70 et du calibre 12-50. Maintenant, nous allons un petit peu parler du tarif des cartouches. Donc la cartouche orange de marque SAPL, elle se vend en boîte de 10, vous la trouvez entre, allez, on va dire entre 13 et 17 euros selon le site. La cartouche en boîte verte, donc celle-là vous la trouvez en boîte de 4, une boîte en plastique. Environ 9,90€ à 12,90€ la boîte de 4, donc c'est de la chevrotine. Après vous avez directement celle-ci qui se vend en boîte de 10 pour le tarif de 15-20€. Vous avez le calibre 12-70 qui se vend en boîte de 5 pour 12€. Donc c'est vrai que c'est un petit peu excessif par rapport à une boîte de 22 long rifle ou calibre 222. Mais voilà, c'est uniquement pour de la défense, ce n'est pas du tir de loisir. Voilà. Après on peut s'entraîner comme moi je l'ai fait sur ces cartouches-là au club de tir pour voir un petit peu le recul, voir ce que ça donne, la portée, tout ça. Mais ce n'est pas du loisir, voilà, c'est uniquement pour de la défense non létale. On va vite fait parler des distances. Avec celle-ci, ne jamais tirer à moins de 5 mètres, celle-là également. Celle-là, ne jamais tirer à moins de 15 mètres pour la marque Concorde avec ses 80 joules. Pour la 1270 SAPL, ne jamais tirer à moins de 35 mètres. Je sais très bien que c'est dur à compter, vous n'allez pas compter 35 mètres avant de tirer sur votre agresseur. Voilà, mais c'est une précaution à prendre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt dans une nouvelle vidéo.